Et voilà à peu près comment on dessine un De Gaulle, comme ça. Alors De Gaulle, c'est comme ça. C'est... Alors je le fais au crayon pour que vous voyez la charpente. C'est comme ça. Dans ce cadre-là. Donc en fait, ça fait un grand Y. Ça fait Y comme ça, avec sa tête au milieu. Il y a un... Alors après on fait la tête, hein, bien sûr. Et donc De Gaulle, c'est un gars, je le fais de face. C'est un gars qui a toujours le nez en l'air. Quand il lève les bras, il a le nez qui monte. Après, il y a les oreilles. Il y a des oreilles très pointues. Vous regarderez. Il y a des grandes oreilles très pointues. Après, il a un nez, bien sûr. Les éléments les plus caractéristiques, hein, c'est des oreilles pointues quand on fait la silhouette en pourtour. Mais après, bien sûr, il faut attaquer le vif, ce qu'il y a au centre. Et donc, c'est un pif qui est assez présent. Vous commencez à le voir apparaître. Hein. Et en dessous, il y a une petite bouche. Une petite bouche qui est vraiment comme presque une bouche d'enfant. Avec une petite moustache qui, avec le temps, est devenue presque imperceptible. Et après, il y a des sourcils fournis. Hein, comme les gens qui vieillissent et qui ont les poils qui poussent plus vite que leur ombre. Et donc, on est à peu près comme ça. Et alors, dedans, il y a là aussi les petits yeux. Et alors, une caractéristique chez De Gaulle, c'est qu'il y a les yeux qui tombent. Voilà, comme ça. Ouais. Et alors, en plus, en tout cas, à cette période-là, il a énormément de cernes sous les yeux. Il y a les yeux qui sont presque noirs parfois sur certaines photos. Vous voyez, comme ça à peu près. Après, bien sûr, il y a un petit menton. En fait, il n'a pas une stature hyper virile. Et si on voit le menton carré du héros, si on voit... Non, c'est un petit menton avec pas mal de coups en dessous. Alors, il commence à apparaître. Et les cheveux très plaqués. Voilà, comme ça. Je vais finir les oreilles quand même pour qu'il puisse entendre ce que je lui dis. Et alors, quand il a cette attitude-là, avec les bras levés pour dire « je vous ai compris » à tout le monde, il y a sa tête qui s'en va à l'intérieur de son veston. Presque, des fois, sur certaines photos, il y a la tête qui disparaît dans le veston qui remonte. Toute une série de plis. Parce que ça fait remonter, bien sûr, les boutons qui sont là, ça remonte. Voilà. Donc tout ça, ça fait des plis presque en zigzag. Voilà. Et alors, si on veut vraiment qu'il dise « je vous ai compris », il faut lui ouvrir la bouche, bien sûr. Voilà, comme ça. Et là, vous avez un De Gaulle qui dit « je vous ai compris ». Voilà, il nous a tous compris.